La désormais ex-présidente du Parlement sud-africain a été inculpée pour corruption et blanchiment d'argent dans la foulée de son arrestation jeudi. Nosifiwe Mapisa Nkakula s'était rendue à la police à Pretoria et elle a été amenée à la cour des magistrats de la capitale sud-africaine où elle a été libérée après le paiement d'une caution de 50 000 randes, soit 2670 dollars. À 67 ans, cette personnalité du tout-puissant comité exécutif national de l'ANC était à la tête du Parlement depuis 2021. Les déboires de l'ex-présidente du Parlement fragilisent davantage son parti à l'orée des législatives de fin mai. Au cœur d'un scandale portant sur environ 135 000 dollars reçus en pot de vin lorsqu'elle était ministre de la Défense, Mapisa Nkakula a clamé son innocence et évoqué une cabale politique contre sa personne. L'affaire est reportée au 4 juin.